Bonjour les amis, c'est Gémico, j'espère que vous allez bien. Bah là je vous retrouve sur Red Dead Redemption 2 Online pour un tout nouveau glitch. Donc là un nouveau spot où où je viens de faire beaucoup de poissons, donc beaucoup d'argent. Donc là en fait je pose un renard au bord de l'eau pour attirer les poissons. Donc là je vous montre où c'est. Ça se situe ici, au-dessus de Saint-Denis et de Rhodes. Donc en fait j'ai posé le renard au bord de l'eau et tous les poissons va vers le bord. Donc là vous faites quoi? Vous tirez dans l'eau pour faire peur aux poissons, pour qu'ils aillent sur le côté. Comme là vous voyez, là ils sont morts les deux. Parce qu'ils ont eu peur, ils sont allés sur le côté, du coup ils sont morts. Donc c'est vraiment un spot où il y a beaucoup de poissons, beaucoup de variétés différentes. Donc ça c'est vraiment vraiment cool. Donc là je regarde bien autour parce qu'il y en a qui s'échouent. Donc après vous allez juste aller ramasser. Et quand ils meurent tout seuls, les poissons ils ont 3 étoiles, donc ça vaut le coup quand vous les vendez. Ça vous fait énormément d'argent. Donc là je cours dans l'eau aussi, c'est pour les effrayer, pour qu'ils aillent hors de l'eau. Bah des fois j'en tue à l'arme. Mais ça vaut pas trop le coup de les tuer à l'arme parce que après ils ont qu'une étoile. Donc vous les vendriez moins cher au boucher. Donc là je le déplace pour que les poissons reviennent. Parce qu'il faut le déplacer pour que ça le réattire. Donc là il y a un canard. Donc je le tue. Comme ça quand on ira au boucher, ben ça nous fera déjà un peu plus d'argent. Donc là je l'ai dépecé. Et je récupère aussi son corps. Donc là je vais le poser à côté du renard, comme ça va attirer encore plus les poissons. Donc là j'attends que les poissons ils viennent un peu vers le bord. Voilà comme là. Donc là regardez, je fais le tour. Je fais peur aux poissons en allant dans l'eau. Comme ça. Ou des fois je tire dans l'eau pour les faire peur aussi comme là. Sauf qu'il y en a qui n'ont pas peur. Des fois je les tue. Je les tue avec l'arme. Donc là vous voyez, hop, je leur fais peur pour qu'ils aillent hors de l'eau. Voilà. Donc là je récupère tous les poissons qui sont allés hors de l'eau. On va se faire un maximum de thunes. J'espère que vous allez aimer cette vidéo, elle est vraiment très très cool. Donc là je ramasse le plus de poissons possible. Et c'est bien dans ce petit lac, il y a plein de variétés différentes de poissons, c'est vraiment cool. Donc là j'accroche le canard sur mon cheval.
Et là, je vais tuer un autre canard. Parce qu'en fait, les canards, ils font que de spawn ici. Ils font que de se poser ici, en fait. Donc, faut en profiter. Donc là, je l'ai dépecé. Je prends aussi son corps. Je vais charger le maximum mon cheval. Comme ça, on va se faire énormément d'argent. Là, je l'ai dépecé. Voilà, je mets son corps sur mon cheval aussi. Donc là, je vais vous montrer. Vous pouvez aussi pêcher. Parce que sur ce lac, il y a vraiment énormément de poissons. Donc à chaque fois que vous jetez votre canne à pêche, eh ben, vous pêchez un poisson. Donc ça vaut, c'est vraiment pas mal. C'est très très rapide. Facile. Regardez, à chaque fois que je le jette, hop, un poisson. Hop, j'en rejette un. Hop, j'ai un autre poisson. C'est hyper rapide. Et vous allez vous faire énormément de poissons. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment un bon spot. Donc là, je vais aller au boucher. Donc c'est juste ici à Rhodes, à côté de Saint-Denis. Voilà. Donc là, j'arrive au boucher. Donc regardez tout ce que j'ai récupéré. C'est énorme. J'ai récupéré tout ça. Et là, j'étais à 131. Donc je vais tout vendre. Donc regardez les poissons, ça vaut le coup. Les 10 poissons, 10 euros. 10$, je veux dire. Donc là, j'étais à 331, je suis à 370, un truc comme ça. Merci à tous ceux qui regardent ma vidéo et abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, bye!